Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur BioShock, le premier du nom. Donc le tirage au sort du jour. J'ai lancé directement une nouvelle partie sans trop me soucier du son, etc. Je changerai au plein milieu. Enfin, je changerai au début et puis je cutterai au montage. Voilà. Bref. Bref, du coup, on va commencer de suite, hein, on va pas perdre de temps. Et je vais laisser la petite cinématique du début. Je ne connais pas du tout ce jeu, j'ai jamais joué de ma vie. Donc c'est une découverte pour moi. Voilà, soyez indulgents, je vous prie. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Un grand avenir de Crash. C'est sympa. C'est tes parents qui t'ont mis là-dedans, pauvre homme. C'est triste de pas être aimé de sa famille quand même. Bon, au moins t'es pas mort encore. C'est déjà ça. Sinon, l'histoire aurait été bien courte. C'était le collier de Titanic. Il a trouvé. Voilà. C'était passé. Comment on peut ne pas mourir d'un crash d'avion dans l'eau? Je veux dire, ça va super vite. Ça se crash d'un coup dans l'eau. Intéressant, intéressant. Intéressant, intéressant. Bon. Ok. On se retrouve dans l'eau. Au milieu de nulle part. Et la seule sortie non entourée de flammes, c'est vers là-bas. Donc j'imagine que c'est par là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est genre juste du gasoil qui se rejoint. Ah, c'est un jeu de l'année 2007, je crois. Donc on est sur des graphismes. Du bon 3D au début de la 3D. Si je pouvais résumer, je dirais ça. Et on n'est pas au niveau Fable, mais c'est pas non plus au niveau de Crysis, quoi. C'est une sacrée tour. Apparemment, on s'est crashé au bon endroit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est noir, en tout cas. Ok. Ah, voilà. Il n'y a pas de dieu ni de roi, seulement des hommes. Je ne peux qu'être d'accord. Dans quelle coterie il y a une place pour des personnes comme moi? Andrew Ryan. Dans le No Man's Land. Qu'est-ce que c'est ça? C'est assez stylé, c'est genre les années 50 remasterisées avec la musique et tout. Musique que j'apprécie fortement d'ailleurs. Ok, donc je me crache dans un avion, je me retrouve dans une sorte d'énorme tour et direct je dois aller dans un endroit où on m'emmène sous l'eau. C'est pas mal, c'est genre normal, tout va bien, tout va bien. Atomes, par tome, ratom, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il avait écrit. 18 fatom. Fatom, ok. C'est genre une unité de distance dans ce jeu, le fatom. Hey, salut. Feu. Ah ouais. Mon nom est Andrew Ryan. Salut. Permettez-moi de vous poser une simple question. Simple alors. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Si. Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Cela non, appartient aux pauvres. Répond l'homme du What? Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou.
Cela appartient au peuple. Au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. Wow. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Ok. Et genre, pour y aller, il faut arriver par hasard dans l'eau, quoi. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Oui, exactement. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisse fait descendre. Et à moins que Mazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Ouais, salut les gars, j'arrive. En tout cas, ça a l'air d'être une ville assez spéciale. Un plasmide ou une arme? Appuyez sur clic gauche. Qu'est-ce qu'un plasmide? Première question, et sûrement pas la dernière. Donc on est à Rapture. Encore une petite minute. La bâtissière arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite. Putain, on se croirait dans un... dans une sorte de FPS en mode... Vite, ne reste pas là, cela va exploser. Vite. What? What? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ça commence bien. Ça va être une ville en tout cas très sympathique. Oui, c'est moi. T'as l'air mignonne toi, dis donc. Non mais je veux pas rester là moi. Je suis en train de me faire attaquer là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici, bordel de merde? Wow, faut pas être épileptique pour jouer à ce jeu, moi je vous le dis. Hein. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux sortir ou pas? Ou pas? Ok. Faisons comme ça. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Bah moi non plus. Cool. Il va falloir vous faire remonter. Est-ce que c'est un ami? Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Ouais. J'ai du mal à te croire là bizarrement. La tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. On va essayer vite à chambre. M, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes tué par les autochtones de Rapture, vous serez instantanément reconduit à la dernière vita chambre que vous avez croisée. Une partie de votre énergie est rétablie, vous avez une quantité d'EV minimum. Ok, qu'est-ce que l'EV? Les vita chambres fonctionnent automatiquement, inutile de chercher à les utiliser ou à les activer. Très bien. Merci de me le dire, sinon j'aurais cherché pendant 10 ans, je pense. Alors. On n'est pas votre propriété. Ryan On n'est pas... n'appartient pas à Ryan, quoi. Bon, je sais pas où est l'autre, là, mais j'ai pas confiance, moi, hein, personnellement. Olé. Salut. J'y vois rien du tout. Oh. Ok. Ok, bah, finalement, il est là. Il m'aide. Pour de vrai. Zoom. Très bien. C'est pas par là? Non. Parce que là j'y vois que Chi. En fait. Actuellement.
Qu'est-ce que je dois faire? Trouver une arme. Chercher Pérez de la porte brisée. Ah! Mais ça a été ça tout à l'heure? Ok. Très bien. Oh! Intéressant. Puissant. Ouais! J'ai pas envie de mourir, les gars. Pas maintenant, je veux dire. Je viens juste de commencer le jeu. Ah! Oh bordel. Salut, salut. Casse-toi, merci. 5 seringues d'Ève, trousse de soins. Ok. Ah ouais. Ok. Au jardin glaneuse. Pick your plasmid and evolve. Ok. Apparemment, c'est un monde où on peut avoir certains pouvoirs, comme du feu, par exemple, une petite barre énergétique. Fort bien, fort bien. Manger. Voilà, maintenant je suis à fond au niveau de ma vie. Ça ira mieux comme ça. Qui, où, quand? J'entends des bruits. J'aime pas trop beaucoup ça, quand même. Hein. Mm-hmm. Arc électrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas te le planter direct dans le bras, quoi, comme ça, en mode de... Sans pression, aucune. Ok. Le mec, c'était un ancien héroïnomane, il avait l'habitude. Tout va bien. Aïe. T'étais pas obligé de sauter par-dessus la barrière non plus. Celui-là à son compte. Tu crois qu'il a encore de la dent sur lui? De la dent? Oui, j'ai des dents, oui, heureusement. Sinon, ce serait compliqué pour marcher. T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Ouais, c'est ça, cassez-vous. T'as qu'une mauviette. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche. Toi, t'as toujours été moche. Ok, les mecs veulent me tuer, je sais même pas pourquoi. Expliquez-moi au bout d'un moment. Oh, salut toi. Ça va? Tranquille? Il parle le baleine! Oula. Beaucoup moins sympa elle. Ok. T'as l'air sympa, petite. À part que t'as les yeux tout rouges. Et que tu ressembles à une petite poupée. En mode de... film d'horreur, quoi. Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs. Hé ! Je peux tirer les éclairs maintenant. Sympa. Par contre, ça me coûte cher en plasmide. Et j'en ai plus. Ok, d'accord, je viens de tous utiliser. Bravo, bravo, c'est bien. Attends, c'est normal, je découvre le jeu, les gars, putain. Sérieux? Vous êtes sérieux? Ok, bon, on va remonter en haut, du coup. Et pas remonter en bas. Pour récupérer, oui, bah oui, merci. Je peux pas en prendre d'autres, du coup? Non, parce que j'en ai plus, là. Sur l'intérieur de la porte pour le neutraliser. Ok, ça doit être là. Ou pas. Non, pas du tout. Quelle porte? De quelle porte tu parles? Ah, la porte qui mène à dehors, du coup. Genre celle-là. Oh. Ok, putain, ça coûte cher en place, mine. Hein. Juste un coup. Aïe, 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 aïe. Holy fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? C'est quoi ton souci, là? Arc électrique. Oui, bah quoi? Mais quoi? Bordel. Oh, c'est mon avion. J'étais là. Bon, je crois qu'il faut que je me barre, genre pisse ça. Wow, il y a tout qui se casse à la gueule. C'est le bordel. Vite, 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 vite. C'est la fuite. Ferme-toi, ferme-toi. Ok.
Ah, du plasmide. Cool. Nice. Fouiller, on prend tout, on prend tout. On est comme ça. Voilà. What the fuck. Faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez une pierre de coups. N'oubliez pas d'une pierre deux coups. Ok. Hey. Oh, ça va, tu te calmes. Oh. Ok. Et j'ai gagné du plasmine du coup. Sympa. Ça va vite comme ça. C'est pas mal. Bon après si on en récupère tout le temps des seringues de plasmine, ça peut être... C'est normal que... Vous allez appeler la police. La police, qu'est-ce que tu veux que j'appelle la police ici? Oh, 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 ça va, oui. Vas-y, crève. C'est bon, t'es en feu, mec. Calme-toi. Bon, je vais pas utiliser mon plasmide pour toi, là. C'est bon, tu vas mourir, de toute façon. Ah, mais non, en fait, non. En fait, non, pas du tout. Salut. Ow. Bon, ok. Fuck you. Du coup, les seringues dev, c'est pour le mana, en quelque sorte. Quoi? Qui? Quand? Quoi? Où? Comment? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Désolé pour la poussière. Oui, voilà, ça va, je vous excuserai pas trop. Il n'y a pas que de la poussière, donc vous aurez... Ah, je crois que c'est là. En tout cas, ça a l'air assez apocalyptique comme ville. Ouais. Et vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Ouais, et moi dans tout ça. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Ouais, mais comment je sors moi? C'est ça la question. Je veux dire, c'est de l'entraide, tu vois. Je te donne, tu me donnes. C'est le principe. Ok, elle, je la sens pas. Hop! Ouais, je la sentais pas. Oh, un pistolet! Ils ont transformé cet endroit en asile de fou. Nice. Sympa. Ça doit être cool, genre au début de l'expérience. Pardon. Ah, ça m'énerve ça. Je vais changer la touche, je suis désolé. Ok, en fait on peut pas courir dans ce jeu. Du coup, enfin j'appuie sur mage, j'appuie sur mage pour courir quoi. C'est un réflexe. Mais là dès que j'appuie sur mage, ça allait dans la sélection des... à prendre. Ok, eux en fait. C'est dans la sélection des sorts comme si je faisais... Ah bah ça marche pas. Ok, génial. Je viens de mettre tab pour faire ça, mais ça ne marche pas. C'est cool. Bon, c'est pas grave. Passons par là. Et voyons ce qu'on peut trouver. Bon, je suis pas sûr qu'on trouve autant de munitions que d'électricité. Du coup, je vais garder ça pour l'instant. Ça marche plutôt bien. On va faire comme ça. Putain, mais what the fuck? Quoi, je suis censé aller aux toilettes là, c'est ça? Oula, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant j'ai des visions quoi, toujours plus. Qu'est-ce que c'est? Journal trouvé. Eh bien. Ok, je peux pas. Bon, pourquoi pas. Ah, l'eau est deg. Ah là, ça va! Pourquoi il a pas été immobilisé? Trop bizarre. Trop bizarre. Bon, on trouve des trucs hein, au fur et à mesure. Oh, salut toi. Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Quoi, baissez votre arme? Ces petites sœurs transportent la dent. Le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Ah, la dent. Oubliez le bien et le mal, ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Et donc je peux pas la tuer, c'est ça? J'ai envie d'essayer.
Mais bon, apparemment je peux pas, donc on va éviter de se mettre dans la merde tout de suite maintenant. Hein. On va sûrement nous expliquer plus tard comment faire pour tuer cette chose. Ils appellent des petites sœurs. Je peux pas aller là-bas. Bon, c'est pas évident que c'est par là, hein, mais c'est juste que je fouille pour pouvoir trouver des trucs et les machins. Ah non, mais je viens de là-bas, je suis trop con. Hein. Bon, c'est pas là. Allons-y. En tout cas, l'ambiance est particulière. Ah ouais. Oui, en fait, je crois que c'est ça le problème. Quand tu t'en prends à la petite, il y a le gros monstre qui arrive, genre, assez fâché, et qui te défonce, tout simplement, la tronche, comme ceci. Même pire que ça, il t'empale. Aïe. Je recule un peu, hein. C'est un protecteur. La petite, salut. Elle récolte la dent, et lui, la protège. Ok. Bon, bah du coup, ouais, je comprends pourquoi il faut que j'évite de m'attaquer à la petite sœur. Hein. On va pas faire ça. Cadenas. Hop. Appuyez sur échappe pour sauvegarder l'autre partie. Faisons comme ça. Nouvelle sauvegarde. Ok, bon. Continuons. Une vie ta chambre. Très bien, donc ça se fait automatiquement, j'ai pas besoin d'activer. Ah, je retiens, c'est bon. Y a rien à prendre sur lui ? Si, un gâteau à la crème. Oh, j'aime les gâteaux à la crème. Ouais, tiens, salut. Wow, tu te calmes. Ah ! Ça a pas suffi. Fuck. Putain, la dernière fois ça avait suffi, merde. Merde ! Hey, salut toi. Changer d'arme, taper, voilà, c'est bien. Tu vas y arriver. T'as utilisé deux trucs pour rien, mais c'est pas grave. On est pas à ça près. Fouiller poubelle, y'a rien dedans. Ok, on continue. On va y arriver. Moi, j'aimerais bien avoir 10 millions de fois plus de pouvoir. Ah ouais, du coup. Ah, pas mal ça. Aïe, non. Aïe. Ah oui, ça les tue autant que moi ça me tue. Ouais, bah oui, ça paraît logique en même temps. Hein. Ça paraît logique. Comment je fais pour me soigner, moi? Hein? Ça se soigne automatiquement quand on a plus de vie ou... Option... Commande... je peux pas aller voir les commandes parce que ma souris ne marche pas dans le menu, c'est parfait. Bah on verra bien, et au pire, je mourrai. Hop là. Vite à chambre. Ok, encore des toilettes. Décidément, ils aiment bien les toilettes. Bon, apparemment, on récupère des trucs dans les toilettes. Alors, tac. Mm-hmm. Ah, j'ai vu une trousse de soins, oui. Ok, continuons. J'ai oublié comment on fallait faire pour se soigner. C'est triste, n'est-ce pas? What? Comment ça? Ok. Là, ça va chier les bulles. Hop, ben c'est bien, restez dans l'eau, c'est parfait. J'entendais pas. Ah oui, en effet. Eh, elle est thune. Wow, qu'est-ce qui se passe? Bordel. Ah, y'en a d'autres là. Vite. Ah, ben non, il fallait bien que je me soigne. C'est bien ça. C'est juste que je sais pas comment. Vous êtes en cours de réanimation dans une vie ta chambre. Oui, j'imagine. Aou. Je vais encore crever. Et voilà. I'm dead, motherfucker.
Fuck me. Ok, si vous pouviez aller dans l'eau. Je vais encore crever. Je vais encore crever. Non, ça va. Je m'en sors. Et non, je m'en sors pas. Je suis mort encore. C'est compliqué. Parce que à chaque fois, je... Ah, ok, ça me remet. Donc logiquement, c'est ça, il en reste une. Ah, mais vas-y, arrête. Comment je fais pour... Ah putain, à chaque fois j'oublie là. Ah, fuck me. Putain, je me trompe de touche en fait. Genre je change d'arme et j'appuie sur la touche là pour changer de truc. Et après je tire, et sauf qu'en fait ça marche pas. Et du coup je fais ça et du coup je... Voilà, c'est le bordel dans ma tête. C'est juste le bordel dans ma tête. Bon, c'est pas grave. Mais arrêtez de m'enfermer partout. Bah oui, j'ai remarqué. Yo. Dis-moi, quelle association de scélérats vous envoie ? Aucune. Le loup du KGB ? Le chacal de la CIA ? Personne. Écoutez-moi bien. J'ai eu un accident d'avion, bordel. Mmh. Au revoir. Ou Tazedania. Oh. Vas-y, vous voulez pas ouvrir la porte là? Non. J'aime pas trop beaucoup ça. Allô. C'est bon, je suis dedans, tu peux fermer. Tu peux fermer la porte, tu as le droit. Ok, vers le pavillon médical. Pavillon médical, c'est bien ça, non? C'est genre un endroit où on se prend des médicaments, non? Ça a pas l'air. En tout cas, tout ce monde a l'air bien, bien pété, hein. Il y a peur d'y avoir un seul endroit où on est à peu près safe, quoi. Oui. Venez de rencontrer le châtelain de ce maudit domaine. Ok. Ok, moi j'aimerais juste savoir comment on fait pour se soigner. Ah, j'ai trouvé, c'est F. Très bien. Bon, eh ben, ok, c'est cool. c'est cool. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et je recommencerai juste après pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous plaît. A plus !